L'ange numéro 49, VUL. Il régit du 23 au 27 novembre. Il est l'ange de l'élévation. Il nous aide à développer le vrai détachement de la matière, tout en comprenant son rôle dans l'évolution de notre âme. Il nous enseigne que le service est la plus grande source d'élévation. Avec cet ange, nous pouvons développer les qualités suivantes. Élévation vers la grandeur et la sagesse divine. Pratique de la méditation, de la visualisation et de la récitation de mantras. Faculté d'accéder au monde parallèle, d'entrer en contact avec leurs habitants ou avec des personnes décédées. Exaltation et glorification du divin. Illumination. Détachement de la matière. Élévation par le service. Grande âme qui consacre sa vie à des causes bénéfiques pour l'humanité. Touche les grands personnages. Élabore le germe de la pensée humaine. Mentalité sensible et généreuse. Source d'inspiration. Altruisme, diplomatie. Libère de l'emprise des désirs instinctifs. Sentiment de fraternité, aide humanitaire. Aspiration à ce qui est élevé. Grand écrivain. Grand dévouement aux autres. Nous pouvons rectifier les faiblesses humaines suivantes. Difficulté à s'élever et à manifester la sagesse. Complexe d'infériorité et de supériorité. Extrémisme spirituel ou manque de spiritualité. Ne médite pas. Athéisme. Abaissement, asservissement au désir matériel. Égoïsme, hypocrisie, absence de principe. S'oppose au sentiment de fraternité. Écrivain critique, personne qui a une influence négative. Passion, haine, fuite, peur de la matière. Nous pouvons l'invoquer dans les situations suivantes. Béatitude, élévation, sublimation.
douce pensée angélique.